tu... Mais t'arrives pas à te contrôler à... Ils ont tout mélangé avec toi. Compliqué, hein. C'est pas... C'est il pas, a déjà parlé. Là, je t'ai dit, là. Non, 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 écoute, on va pas couper. C'est ma gueule, faut pas. La gueule, elle a accepté, tu vois. Je suis fidèle à... Panthère à la case avec une nouvelle vidéo, et sur cette vidéo on va parler d'un sujet un peu tabou, qui est: l'amitié entre filles et garçons est-elle réelle? Est-ce que ça existe? Et je suis avec Dozvin Jadan. Yeah. Vous allez voir le lien de sa chaîne sur ma description et nos vidéos ensemble, et son compagnon le Master Dédicat, tu connais. Je connais, je connais. Alors, qu'est-ce que tu en penses de l'amitié entre filles et garçons? Pour moi, franchement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, toi, tu n'as pas d'amis? J'ai des copines, j'ai des potes filles, mais c'est compliqué. C'est pour le travail, en gros. C'est juste pour le travail. Pour le travail. Mais pour leur conseiller, mais non, tu peux pas. Pour leur conseil, ça passe vite fait. Pas amitié, femme, comme de la manière que je suis avec, toujours avec mon pote, master. C'est-à-dire, moi, on peut pas être amis. Toi et moi? Oui. Déjà. Pourquoi on peut pas l'être? On peut pas l'être parce que déjà. Moi, déjà, quand t'es belle, je peux pas être en amitié avec toi. Ça veut dire, l'amitié peut fonctionner, voilà, si la personne est moche à tes yeux. Ouais, si la personne n'est pas mon goût. Si la personne n'est pas mon goût. Et ça toi passer, et ça toi passer, bah, l'amitié entre un homme et une fille, chez moi quand même ça existe. Ouais, ça existe parce que moi j'ai plein d'amis filles que je leur donne tout le temps des conseils aussi. En même temps, aussi, ils me donnent des conseils. Même si elles sont belles. Même si elles sont belles. Tu veux dire, Dozvin, il est un peu pervers en fait. Il peut pas. T'arrives pas à te contrôler là. C'est pas pervers. T'arrives pas à te contrôler. Non, si tu pouvais te contrôler, écoute, ici. Écoute, mais si je pouvais me contrôler, pourquoi je dis si t'es moche, je t'es pas mon goût, je peux être en amitié avec toi. Oui, mais tu peux pas être en amitié. J'arrive à me contrôler. Parce que la personne n'est pas attirante. Non, mais le problème, ouais, la personne n'est pas attirante pour moi. Mais si t'es vraiment moi mon goût, on peut pas être coulé à chaque fois. Je vois, c'est compliqué pour moi. Ça veut dire que tu peux pas être dans une chambre avec une fille belle. Non, c'est impossible. Pendant une heure. Non, c'est impossible. Tu es obligé de... Ah, c'est impossible. Ça, quand même, c'est impossible. En plus, c'est pas moi qui veut... comme ça. En fait, tu n'es pas fidèle alors. Parce que non, moi... Bouyaga. Non, si c'est YouTube, hein. Bouyaga. Attends, écoute. Moi... Repose ta question, repose ta non, question. Non, moi... Moi, je sais que je suis fidèle. C'est-à-dire, moi, je peux avoir un ami homme, même si je le trouve beau. Ouais. Mais... je peux me retenir, mais lui il peut pas se retenir, qui veut dire il n'est pas fidèle. Mais le problème, ouais, mais déjà, voilà. écoute, tu te considères fidèle? Écoute, si déjà, toi, tout à l'heure t'as dit, tu peux avoir un garçon ami beau, mais tu peux te retenir. Ça veut dire déjà, tu ressens des trucs pour non, la personne, mais non, tu te retiens. Non, pour moi c'est pareil. Une fois, comme toi, comme ça, on peut être amis, tu vois. Une fois, je commence à ressentir quelque chose pour toi, ça veut dire l'amitié fille n'existe pas. Mais ça peut pas en dire que lui il veut dire, voilà, dire chez lui il peut être ami avec une fille, mais en gros si la fille l'attire, lui ça met fin, que ça soit une semaine ou deux semaines après, s'il a les sentiments pour la fille, non, c'est mort. L'amitié, c'est mort. Il y a différents stades et étapes d'attirance. Ouais. Tu peux être attiré par la personne et dire ah, oh, la personne elle est mignonne, elle est belle, mais tu te vois pas coucher avec eux. Ah non, mais ça, si, il y a ce genre d'attirance où ça, la personne, tu sens qu'elle est aussi attirée à toi et que vous commencez à vous séduiser, vous draguer et tout. Là, on peut dire que l'amitié ne peut pas marcher. Mais tu n'as pas une meuf que tu considères comme une sœur, mais ce n'est pas ta sœur? Non, je n'ai pas. Toi, tu ne peux pas te retenir. Toi, tu as, non? Vu que tu peux donner des conseils. Bah, j'ai des filles qui je les donne des conseils tout le temps. Et aussi, pareil que les filles aussi. Mais tu le problème, toi, tu peux te retenir. J'ai des filles que je les kiffe, tu connais? J'ai des potes que je les kiffe, que je sais que je peux les draguer. T'as capté? Mais je me retiens juste pour le respect. Mais c'est pas parce que je me retiens que je les kiffe pas. Mais je les kiffe, mais juste je laisse. Tu vois, comme je t'ai dit, toi, je suis en amitié avec des filles, mais pour le boulot, ça me bloque. Mais si j'avais pas le boulot, j'allais partir direct. Donc ça veut dire, moi, je me contrôle. Donc pour moi, ça n'existe pas si j'avais pas mais le boulot. Mais si tu es en couple, t'auras pas cette idée-là, parce que tu vois que ta meuf.
Non, ça c'est impossible. C'est impossible. Je vais te donner un scénario. Moi, je suis ta cousine. Oui, vas-y. Je suis ta cousine. Ouais. Je te dis, ah ouais, j'aime trop mon mec, mais en ce moment, il dure pas au lit et tout. Et j'ai pas envie de le tromper. Toi, tu vas sauter dans l'occasion parce que tu me trouves belle et t'es attirée à moi pour me satisfaire en tant qu'ami. Et après, tu vas dire, vas-y, tu peux repartir chez ton mec. Déjà, avant de commencer, déjà, c'est pas moi, tu vas venir. Je suis ton cousin, donc tu vas pas venir. Oui, mais on va dire que c'est mon cousin, proche. Bah, ouais, t'es mon cousin proche, ok. T'es mon cousin proche, tu viens me parler. Genre que ton mec, il dit pas au lit. Ok, mais et alors, tu veux maintenant que je fasse quoi? Bah, toi, en tant qu'homme, tu peux me dire, ouais, en fait, s'il dure pas au lit, peut-être il est fatigué ou quoi que ce soit. Mais il y a d'autres qui profitent, quand c'est l'amitié entre filles et garçons, ils profitent de baiser leur ami. Ouais, mais ça c'est dépend, là que la dépend aussi de la fille. Non, mais ça après, aussi, ça dépend aussi de la fille. Voilà, ça dépend de la fille. Toi, tu viens t'expliquer. Ah, maintenant, ça dépend de la fille. Et le garçon, il s'en va. Non. Moi, je suis avec toi. Mais après, la partie-là, ça dépend de la fille. Voilà. Toi, tu viens t'expliquer ton problème à ton cousin. Après, lui, il te propose de coucher avec toi. Toi, si t'acceptes, mais t'es con, quoi. Non, mais... Non, en fait, l'amitié entre filles et garçons, ça existe parce que les filles, elles ont de bonnes attentions. Ouais. Vous, les garçons, la plupart du temps, vous êtes pervers. Voilà, tu avoues. Ok, c'est bon, je reste ma parole. Lui, il est 50% fidèle. Ouais, je reste ma parole. Lui, je le considère fidèle parce que... 100%, s'il y a 1000%, s'il y a 1000%. 50%. T'abuses. 25%. Toi aussi, t'abuses. Moi aussi, j'ai une meuf, ok. Je l'aime, ok. C'est compliqué. Mais pour son respect à elle, je la respecte, tu vois. Mais ça veut pas dire que je vais pas kiffer notre fille. Je peux kiffer notre fille, mais juste... Ça veut dire que tu es fidèle. Ouais. Mais pour toi, l'amitié entre fille et garçon n'existe pas parce que l'homme va toujours être attiré. Mais c'est comme tous les hommes, en fait. Mais ça veut rien dire. Il y a beaucoup de filles qui attirent aujourd'hui des hommes. Tel que moi, comme je dis là, il y a l'amitié entre filles et garçons, tu vois. Il y a plein de meufs qui m'attirent. Mais après, quand je pense aussi que je suis en couple ou c'est une personne qui me respecte ou qui me prend comme un grand frère, tu vois. Donc, ça me donne même pas le goût d'aller parler avec elle pour dire, ouais, j'ai sens quelque chose de toi, mais j'ai envie de coucher avec toi. En fait, votre but, c'est que vous... La relation entre filles et garçons marche seulement quand vous êtes en couple. Parce que vous allez respecter votre partenaire. Même si tu n'es pas en couple, ou je ne suis pas en couple, ça dépend de quel couple je suis. Ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que ça marche. Non, mais ça dépend de quel couple je suis. Si c'est voilà, si c'est un couple, Dans les couples, moi, il y a les couples, c'est moi. Il y a les couples en temps plein, voilà. Et en temps normal. Attends, c'est quoi un couple en temps plein? En temps plein, ça veut dire qu'il y a du sérieux, vraiment. Ça veut dire que vous parlez. Et le couple, là? Le couple en temps temporel, ça veut dire... Temporel, ça, c'est pour... C'est ça qu'on appelle à Nushi, là, on dit quoi même... Stage. Moukoupan, t'as capté. C'est Moukoupan, ça, c'est le plan cul, ça. Tu connais. Mais ça, c'est pas être en couple. Plan cul, c'est pas en couple. C'est pas... Non, je parle déjà en position Nushi, quoi. T'as capté? Si t'as besoin d'elle, viens aujourd'hui, on se voit vite fait. Mais en gros, tu lui as dragué, mais c'est une fille qui est... Qui est là juste pour l'amour, pour faire l'amour avec elle. Voilà. Donc, t'as besoin de faire l'amour. C'est une fille pareille qu'on les appelle chap chap. Et vous êtes quoi? On est juste des hommes. Mais tu trouves une fille chap chap, ça veut dire que tu... En couple, c'est elle qui vient toujours. Tu fais comment? Tu passes. Mais t'arrives pas à te contrôler. Il y a l'amitié. C'est lui qui est infidèle. Lui, il est fidèle. Voilà. Et à la fin, ils ont tout mélangé. Il a dit, lui, il a avoué que s'il est en couple, il va respecter sa mère. J'ai pas le thème de dans une. C'est pas. Il a déjà parlé. Lui, il dit, en gros, il a des meufs en temps plein et en temps temporel. C'est ça, il a dit. Il a donné deux exemples. Ok, temporel, c'est ça, je t'ai dit. Non, écoute, on va pas couper ça. Là, tu as dit qu'il a dit. Il dit pas des meufs en temps plein. J'ai pas dit ça. C'est ça, il a dit. On peut avoir des meufs en temps plein. Non, il a pas dit ça. Voilà. Ok, il a dit pas. Il a dit, ma gueule, faut pas. Il a dit, il y a deux types de couples. Il y a
Il y a celui qui est sérieux, il y a celui qui est planqué. Okay, voilà. Il n'a pas dit qu'il a des planqués. Voilà. Ouais, celui qui est sérieux, c'est temps plein. Ok, temporel, c'est elle qui est chap-chap qui j'ai parlé là. Voilà, voilà. Mais toi, tu as dit chap-chap voilà, aussi. Voilà, chap-chap, Janouchi. Attends, je réponds. Tu as dit chap-chap. Voilà. Même si tu es en couple, elle vient, toi, tu jettes. Qui veut dire... Non. Je vous donne un exemple. C'est pas moi, hein. Une fille te vient comme ça, elle est chap-chap, elle vient et te dit, ouais, tu l'as déjà draguée, mais c'est une fille qui est très facile, quoi, à passer, hein, tu vois. Non, elle, toi, tu l'as draguée, elle a accepté, tu vois. Mais après, chaque jour, c'est elle qui te demande maintenant, ouais, c'est comme ça, tu vois. Toi, tu fais comment? Tu peux pas regarder une fille, coupe? Même si t'es en couple, mais le voilà, truc là, le truc là, non. Le truc là, ne connaît pas en couple. Je suis ma route. Je suis fidèle à 1000%, mais cette partie-là... Bon, la conclusion, ça existe ou ça n'existe pas? Ça existe. Hein. Ça existe de son côté et ça n'existe pas pour ton côté. Ouais. En fait, il a raison d'un côté parce que si tu ressens de l'attirance envers la personne, c'est que voilà, c'est mort. Tu Même si elle est en couple, tu vas sentir une, un peu de jalousie. Écoute, genre. Parce que de nos temps déjà aujourd'hui, tu ne peux pas être avec une fille en amitié. C'est pas que vous êtes dans une chambre et la fille, elle est comme ça, tu vois, elle est dans un mini ou un collant, tu vois. Juste comme ça, toi, tu vas pas dire que ça va pas s'attirer, t'es pas gay quand même. Non, disons-nous la vérité, ouais, t'es pas gay. Ça va quand même. Ça s'attire, mais. Et toi, et tes yeux là, t'es comme ça. Le truc là, non, il va s'attirer parce que lui et moi, même, c'est mon pote, il est garçon, t'as capté. Donc si tu avais dit lui, il est nu, ça va jamais m'attirer. Ça, il y a l'amitié. Mm-hmm. Mais une fois ça s'attire, c'est qu'il n'y a pas l'amitié parce que un jour ça va péter. Mais quand elle est moche, même si elle a beau baraba, là tu as. Ah, là, ça passe. Ça, c'est un bâton comme ma gueule. Ça passe. Yako. C'est ça ouais, qu'on a fait. Viens, vas-y. Ouais. Échappe-chappe. Non, ça veut dire. Voilà. Ça, ça veut dire. Voilà. Mets ta bouche là-bas, on finit le travail. Voilà. Donc, du coup, ça existe. Mais il y a des parties aussi, tu vois, c'est les filles qui font ça. C'est pas que les garçons. Il y a des filles aussi qui sont taba-taba. C'est quoi ça encore? Voilà. Quand je dis une fille qui est taba-taba, une fille n'est pas sérieuse. Qui n'est pas sérieuse du tout, même un. Même un. Comment tu sais qu'une fille n'est pas sérieuse? D'accord. Nous, les meufs, on veut tous être en couple. Ok, je t'ai dit, il y a des filles. Tous les meufs. Il y a des filles. Quelles toutes les meufs? Dis-toi. Mets ça au pluriel, pas au. Mets ça au singulier, pas au pluriel. Oui. Voilà, il y a des filles aujourd'hui. On a des téléphones ici, c'est rempli de messages. Et non, alors, si elle est célibataire, elle est célibataire. Non, jamais. On connaît les gars. Voilà. Si elles sont en couple, c'est autre chose. Tu connais les gars, ils viennent, ils te parlent sur le réseau. On a plein de messages ici. Hein. Surtout quand tu fais des si tu es scénariste ou vidéiste, ouais, tu sais pas. Toujours, de toute façon, on subit ça, mais bon, parle pas trop. Non, parle pas. Il y a beaucoup de messages. Si tu prends tout ça, donc tu vas être infidèle. Toi, garçon, tu vas être bordel. Donc, il y a des filles qui abusent. Hein. Donc, il faut parler à les filles aussi. Quand même, on est d'accord, les filles, on est plus fidèles que les hommes, mais il faut MDR. Pas. MDR. Voilà, MDR. La conclusion, c'est que d'un côté ça existe, d'un côté ça n'existe pas. Et toi, maintenant, c'est quoi toi? Je pensais que ça existe, mais quand les mecs ils ont l'occasion, ils essayent et ça n'existe pas en fait. Voilà. C'est la fille qui a. Lâchez vos commentaires, donnez vos opinions. Si vous voulez débattre aussi, débattez en bas là. Et lâchez un gros pouce et n'hésitez pas aussi d'aller sur sa chaîne pour regarder notre collaboration. À la prochaine. On est ensemble. Ben, tu connais.